Parfait. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live, la reprise du travail, etc., etc. Enfin bref, on va démarrer tout de suite. Désolée, il n'y a pas besoin de matériel, éventuellement un tapis, parce qu'on va faire un peu de gainage, mais vraiment, c'est pas indispensable. Je démarre mon chrono, là, et on va commencer, hein, comme d'habitude, par un peu de mobilité articulaire, hein, pour ne pas partir trop vite. Là, sur la pointe des pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sautiller là en point de talon. Alors, on a deux gros blocs assez intenses. Je vous expliquerai le contenu de la séance au fur et à mesure, puisque c'est une séance que vous connaissez pour ceux qui sont habitués, c'est-à-dire sur des blocs de 10 minutes sans récupération passive, c'est-à-dire que la récupération, c'est la récupération active, donc là, sur ce mouvement de pointe talon comme on est en train de faire. Et je vous le redirai à chaque fois. Ok, on revient et on repart là sur les pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5. On pousse bien haut. 6, 7, 8. On relâche sur une jambe là. On cherche l'équilibre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changer de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on relâche. On échauffe là les chevilles. Rotation en même temps. Les poignets. Ok, on change de côté. Relâchez, on serre les pieds. Là, sur les genoux, on va partir sur des petites rotations. Les genoux collés, le dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va ouvrir. Là, 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche. Là, on monte les genoux. Ici, là, sans les sauts pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil pour les talons-fesses. Là, pour l'instant, sans sauter, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, genoux, ouverture et fermeture. 1, 2, 3, on touche à peine le sol, on repart. 4, 5, cherchez vraiment à ouvrir en amplitude. 6, 7 et 8. On change de côté. 1, 2, on lève bien haut, on va chercher loin derrière. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, on va écarter les pieds un peu plus larges que les épaules. On va descendre en flexion, les genoux vers l'extérieur, le dos droit. Et on remonte. En 2, on tire les fesses en arrière. 3, on est en appui sur les talons. 4, 5, 6, 7, toujours le dos bien droit, on expire en descendant. 8, relâchez, rotation du bassin. Là, gardez les jambes tendues. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on va chercher sur les côtés. Le buste ne se penche pas vers l'avant. Là, on garde les jambes tendues. On
fait glisser la main le plus bas possible. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On écarte un peu plus. Et là, rotation complète là. On garde le dos droit, les jambes tendues. Et là, on cherche un peu de fluidité. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on écarte un peu plus. On va fléchir sur une jambe. La main vient toucher le pied opposé. On a l'autre bras qui part en arrière, là. Position du patineur. 1, 2, 3. On garde une jambe tendue, une jambe fléchie. 4, 5, 6. Les pieds posés au sol. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche, on serre les pieds. La pointe de pied. Et on descend, on essaye de toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois, quand on descend, on va poser les doigts sur le côté, d'un côté puis de l'autre. 1, 2, on se grandit. 3, 4, 5. Et 6, on relâche les épaules vers l'arrière. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sortez la poitrine. 8, vers l'avant, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche, là, on va fixer bassin, genoux. Et on va ouvrir le regard, suit la main qui part en arrière. 3, 4, allez le plus loin possible derrière. 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, vous pouvez commencer à sautiller. Point de talon. Là, et on va commencer là sur un talon fixe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, genou, devant et côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On commence là, on fesse, pointe de pied, tirez les épaules vers l'arrière, on regarde droit devant. Et on relâche. Là, petite montée de genoux légère. Là, bras un peu comme un coureur. On est souple pour le moment. On est toujours dans la phase d'échauffement. Il nous reste 3 minutes à peu près avant d'attaquer le premier bloc. Ok, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on relâche. Là, petit ciseau, tirez sur les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On accompagne là avec les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâchez. On va refaire une petite montée de genoux là. On va commencer à intensifier un peu. Allez, encore. Serrez les abdos. Le dos droit. Et on relâche. Là. On saute pieds joints. Alors, poussez fort sur la pointe de pied. Allez, encore. Et on relâche. Là, je me mets de profit pour que vous puissiez bien voir. On va tendre les jambes, là on serre les abdos en pointe de pied et on va chercher le plus loin possible pour solliciter vraiment la sangle abdominale. Allez, encore. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez et la cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et on reprend ici le jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, les bras tendus devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Et la petite montée de genoux. La dernière. Et on va débuter après ça. Ok, relâche. Alors, on va commencer par un premier bloc de 10 minutes. Vous pouvez boire une petite gorgée si vous en avez besoin. Sinon, continuez à sauter. Le temps des explications, on va prendre une ligne au sol ou le bord d'un tapis. Si vous n'avez pas, ce n'est pas trop grave. Et là, sur le premier, je vais vous demander, je me mets de profil pour que ce soit plus visible. Là, on va avancer, reculer en petits pas. D'accord? Sur quatre temps. J'avance, j'avance, je recule, je recule. On se tire, on va démarrer dans 2 secondes. Et c'est parti. Allez, on est sur 30 secondes. On est au chrono. C'est à vous de mettre le rythme. D'accord? Si c'est trop dur, on diminue. Sinon, vous pouvez accentuer. L'idée, c'est vraiment de tenir les 30 secondes à l'intensité qui vous convient. On essaye quand même de se dépasser, de ne pas trop écouter sa fatigue, sinon on ne fait rien. Allez, encore 5 secondes. On continue, on tape fort au sol. Ok, relâchez. On sautille. Là, tranquillement. Ok, prochain. On va être là sur des ciseaux et on va boxer. On tend les bras. Continue à sauter la pointe talon. On enchaîne là dans 5 secondes. D'accord, je vous l'ai dit, hein, c'est un bloc. 10 minutes non-stop, on fera une petite pause. Et là, c'est parti. Allez, mettez du rythme. On est sur la pointe des pieds. Regardez droit devant. Là, on tire sur les bras. On engage les épaules. On inspire, on expire. Allez, on a fait plus de la moitié. On continue. Allez, encore, encore, encore. Allez. Ok. Relâchez. Prochain. On va le faire là, en avançant. Là, on descend. On fléchit, dos droit. Je vous montre de face. Écarté serré là. On avance et on recule. Ok, continuez à sautiller. Là, on part dans 10 secondes. Là, attention, dans 3, 2, 1, c'est parti. On fléchit et on serre dos droit. On est sur la pointe des pieds. On le fait en avançant et en reculant. Descendez bien. Toujours dos droit. La pointe des pieds et on descend au maximum. Allez, c'est tonique. On descend, on remonte. Allez, encore 10 secondes. Regardez droit devant. Tirez les épaules en arrière. Allez, 4, 3, 2, 1. On récupère. Ok, prochain. Montez de genoux là et on boxe. Et on y va, on met du rythme, d'accord? La seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je vais vous demander de le faire là, en latéral, ok? Donc on se déplace de gauche à droite, de droite à gauche, tout en mettant des directs. Attention, 2, 1, c'est parti. Là, on lève les genoux et on se déplace de gauche à droite, en latéral, on balaye. On a les bras bien tendus. Là, vous essayez de fixer un point, de viser, de donner les coups au même endroit quasiment, à la hauteur de votre nez. Et on lève les genoux. Allez, encore. On ne baisse pas le rythme. 5 secondes. Ok, relâchez. On récupère. Prochain. Avec 2 options. On va être là. Jambes écartées, petit pas à mon top. On descend, burpees, petit saut. Ça, c'est l'option classique. Option plus facile, vous me faites juste là.
un beau saut en extension si vous ne pouvez pas descendre. Le burpees, on le fait à mon top uniquement. Attention, c'est parti là. Petit pas, on descend. On est quatre. Dos droit, on fléchit. Et top là. On descend, saut en extension et on reprend tout de suite. Allez. Là, on frappe fort au sol. Encore, top. On descend, là. Et on prend, on ne perd pas de temps. Allez, plus fort sur le sol. On descend, fléchissez, top. Là, petit saut et on reprend. Récup, relâchez. Alors, prochain. On va être, mettez-vous légèrement sur le côté. On va être là sur deux pas chassés bas. Extension, flexion et on repart. Bam. Ok, bon, mon plafond n'est pas très haut, donc je ne peux pas vraiment sauter. Mais si vous avez la possibilité, sautez le plus haut possible. Donc d'abord, extension, flexion et on repart en petit pas. Attention, c'est parti là. Hop, j'ai fait le contraire, pardon. En haut, en bas, pas chassé. En haut, en bas. Allez, encore. Et on repart tout de suite. Là, tonique sur les pas chassés. Bam. Allez, on a fait plus de la moitié. On continue. On fléchit bien sur les jambes pour se déplacer. Et on saute le plus haut possible. Toujours sur la pointe des pieds. Ok. Récupérez. On relâche. Prochain. On va repartir sur nos petits pas. D'accord. Continuez à bouger. On est là. Là. Ok, à pointe de pied. On met de l'intensité du rythme. À mon signal, deux options. D'accord. Option 1, là. Étoile. Option 2, se grouper. Et on repart. Attention. C'est parti. Petit pas à mon top. Étoile. Vous se grouper. Baissez. Top. Là. Et on repart tout de suite. Allez, allez, allez. Encore. Allez, des petits pas bien forts au sol. Top. Là. Et on reprend tout de suite. Allez, 10 secondes. Allez, on va le faire encore une fois. Top. Là. Et des petits pas. Allez, allez, allez. Une dernière. Allez, pour plaisir. Top. Ok, relâchez. Tranquillement. Ok. Prochain. On va être sur du pied joint. On saute là, déjà récupéré. Tranquillement. On reste lucide, il ne nous en reste pas beaucoup. Alors, on va être... Moi, j'ai une ligne sale, vous ne la voyez peut-être pas. On va être sur là, sur les côtés, pieds joints. J'ai les jambes légèrement fléchies pour amortir la réception. Et c'est parti. Allez, on met du rythme. Là, et on va chercher loin, sur les côtés, pour aller travailler aussi la taille, les obliques, les dentelés, même plus haut. On sollicite également le haut du corps, les abdos. Allez, on pousse. Allez, 10 secondes. On essaie d'accélérer un peu. Allez, c'est possible. 5. Allez, encore. Encore. Allez, 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 allez. Relâchez. On se dit. On récupère. Est-ce que j'ai prévu les autres petits pas? Alors, pour la suite, petit pas. Cette fois, on n'a pas les jambes écartées. On a les pieds largeur épaule. Je vais vous demander de me suivre en allant de gauche à droite, en fléchissant bien les jambes. On descend et des petits pas là, bien cadencés. D'accord? On pousse le sol. Attention, c'est parti. Là, je vais sur ma gauche. Allez, 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 allez. Encore, l'autre côté. Toujours des petits pas, dos droit. Tirez les épaules vers l'arrière. Encore, dans l'autre sens. Allez, allez, ça brûle, c'est normal. C'est hyper efficace. Allez, on serre les dents. Là, on continue. Allez, 5 secondes. Dans l'autre sens, toujours petit pas, toujours de la cadence, faites du bruit. Top. On relâche. Là, dernier. Ok, dernier du bloc. Là, on récupère. Prochain, on va être sur un exercice tout simple. Là, pieds joints toujours. Je pousse avec les bras en sautant, d'accord? Avant, arrière, là, et je pousse. Bam.
toujours du rythme. C'est le dernier. On a un petit travail de récupération après. Et on repartira sur un autre bloc. Attention, c'est parti. Allez, on pousse. Toujours pieds joints. Les jambes légèrement fléchies. Allez, encore. Allez, allez. Allez, on pousse. Encore vers le haut. Là. Dès que je saute en avant, je pousse. Là, vers le plafond. Allez, encore. Allez, on met du rythme. Plus vite, c'est le dernier. 3, 2, 1. On récupère. Pas fini, on a 30 secondes là. Sur les jambes. Allez, on récupère tranquillement. À relâcher. On est encore dans nos 10 minutes. Hein. Là, à continuer. Marcher si c'est trop dur. Là, on marche sur place. Mais on bouge. Bougez. Là, si vous avez un peu de jus, vous pouvez aussi vous déplacer sur les pointes de pied. Les bras relâchés. Là. Ok, on souffle. Petite gorgée. On attaque sur un petit travail de mobilité articulaire au niveau des épaules, des bras. Et puis, on enchaînera par 10 minutes comme on vient de le faire. On repart dans moins de 10 secondes. Donc, si vous êtes prêts et que si vous en avez envie, vous pouvez commencer à sautiller. On va démarrer dans 3, 2, 1. Et là, juste par des rotations. Ici. Là, tranquillement. On inspire, on expire. C'est un temps de récupération active. On continue à travailler. D'accord? On ne va pas s'asseoir. Allez, en arrière. C'est un temps utile en même temps. Allez, encore. Là, on va aller. Bras tendus. Là, allez, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, sur les côtés, on vient toucher les paumes de main entrailles. 1, 2, gardez les bras tendus. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On garde les mains là, bien alignées, bien gainées, à hauteur des épaules. Et on va passer les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière. Je vous le montre là, de près. Là, je pousse, j'engage mes épaules avant, arrière. Et je continue à sautiller, là, pour travailler en même temps, coordination, le cardio, l'endurance musculaire et respiratoire, on est bien. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les deux, 1, 2, levez bien les coudes, 3, 4, 5, 6, à hauteur des épaules, 7, 8, en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tend les bras au-dessus de la tête. On va juste là fléchir le bras pour aller poser la main sur la nuque. 3, 4, 5, levez bien les coudes. 6, 7, 8, 9, 10, devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tend. Et là, des petits cercles, on a presque fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on relâche. On va repartir dans 30 secondes. Alors, si je vous ai proposer de travailler un peu les épaules et les bras, c'est parce qu'on les a, on les a pas travaillés à l'échauffement. Et c'était volontaire, puisque là, on va faire un peu plus de travail sur les bras, puisqu'on va avoir du travail de gainage très dynamique en planche. Et donc, on va solliciter un peu plus le haut du corps. Alors, pour le premier, on va se poser ici en mountain climber. Et si c'est trop dur, vous le faites en marchant. Sinon, là, attention, on se prépare. Et c'est parti. Allez, le dos bien droit, on est solide sur les bras, les épaules sont bien au-dessus des mains. Allez, on met du rythme. Et quand je vous dirai, on fera 5 pompes. Vous pouvez poser les genoux si c'est trop dur. C'est parti pour 5 pompes. 1, 2, faites à votre rythme. 3, 4 et 5. On reprend
Montez tout de suite, ne perdez pas de temps. Toujours du rythme. Allez, dos droit. Et on se relève. Là, vous pouvez sautiller. Là, tranquillement. On récupère. Prochain, on sera un peu moins mobile, dans le sens qu'on va se poser. Vous pouvez continuer à sautiller le temps des explications. Là, flexion, coup de genou. Là, d'accord, dos droit, genou vers l'extérieur, on n'est pas là. On est en appui sur les talons, on tire les fesses vers l'arrière. On se prépare, c'est parti. Là, un, on met du rythme. Deux, on garde le dos bien droit. Trois, coude, genou, c'est le genou qui monte. 4, on vient placer le coude à l'extérieur du genou. Là, 5, 6, encore. 7, gardez le dos bien droit. 8, 9, 10, 11, 12. Et non, on est au chrono. Donc, il reste encore. C'est bon. Allez, sautillez. Là, on récupère point de talon. Ici. Là. Et on va partir là sur une petite montée de genoux. Tranquille. Là, on est toujours sur la partie récupération active. Donc, on met pas trop d'intensité parce qu'on va repartir sur le sol. Là, on se pose et planche, écarté serré. Tout de suite, si vous ne pouvez pas sauter, vous le faites là en marchant. Allez, encore. On serre bien les abdos. Et à mon signal, comme tout à l'heure, on essaye de faire 5 pompes. C'est parti. Allez, 1, 2, à votre rythme. 3, 4, 5 et on reprend. 1, 2, si c'est trop, 5, vous en faites moins. 4, hein. Allez encore. 3 secondes. Et on relâche. Récupérez. Là, on se tire. Point de talon. Posez bien le talon au sol, là. Relâchez les bras. Allez, encore. On récupère tranquillement. Et là, c'est parti. Petite montée de genoux. Allez, tranquillement. Il faut que vous soyez à l'aise hein, là-dessus. OK. On relâche. Pas attendu. Et là, on y va. Deux. Genoux. Un côté, puis l'autre. Bras tendus. On lève bien la jambe. On vient claquer ses mains. Sous la cuisse. Allez, encore. On a fait plus de la moitié. On ne baisse pas la cadence. On est très bien là. Allez, encore. Allez, allez. 5 secondes. Encore. OK, relâchez. On récupère là. Tranquillement. Et là, on va être sur des petits ciseaux. Là. Soufflez. Encore, 3, 2, 1, là, continue en point de talon, je vous montre juste le travail. Le prochain, on est là, accroupi, 3 petits sauts, planche, 3 petits sauts, planche, allez, c'est parti pour vous. Là, 3, je me place en planche, je gaine bien les abdos, prenez votre temps, décomposez si besoin. Là, 1, 2, 3, on pousse, allez. Encore. Prochain, on reste en bas et on fait nos 5 pompes. Là, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Si c'est trop, hein, je vous l'ai dit, on en fait moins. Et on repart. Allez, relâchez. On récupère. Prochain, ce sera un exercice debout. Allez, il nous en reste. Je vous dis pas, on y est presque. Prochain, on va être là. Là, toujours le même côté, coup de genou. Là, on vient caler son genou, son coude, pardon, à l'extérieur du genou. D'accord? Sautier, on part dans 3, 2, 1. Et là, toujours le même côté. Je vous dirai quand on change. Allez, on inspire, on expire. On maîtrise bien sa respiration. Allez, encore. Allez, allez, allez. On change. Allez, tout de suite, sans transition. Allez, encore.
Inspirez, expirez, on est toujours pointe de pied. Très souple. Allez, deux, un, soufflez. On relâche. Ah, tranquillement. Et là, on repart sur nos ciseaux. Allez. Prochain exercice sera moins cardio. Donc là, on va rester un peu plus longtemps que tout à l'heure. Il faut que ce soit facile, hein. Je vous l'ai dit, normalement, sur un petit exercice comme ça, si vous pouvez parler, c'est parfait. On va se mettre en position de planche tout de suite. Et là, on avance les mains et on les replace. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez poser les genoux si c'est trop compliqué. Sinon, on est là, on continue, on avance, on essaye d'aller un peu plus loin. Là, sur les prochains, on va chercher le plus loin possible. On serre bien les abdos. Allez. Encore. Dernier. Ok. Relevez-vous. Là, tranquillement. On relâche. Et là, ici. On met moins d'intensité qu'au début. Là, mais on bouge quand même. Allez. Encore. Allez, 5 secondes comme ça. Ok, relâchez. Prochain mouvement. On va se mettre ici, en squat sumo. Donc les pieds vers l'extérieur, on descend le plus bas possible, dos droit. Et là, je vais vous demander de boxer. Les mains reviennent au niveau des pommettes. On serre les coudes au corps et on tire les épaules. Là, et on reste toujours très bas sur les jambes. Fléchissez bien, dos droit, et on continue vers le haut. Allez, encore, on tire bien. Allez, allez, allez. Et là, un, on monte. Deux, encore. Trois, quatre, le dos droit. Cinq, six, sept, huit, et relâchez. Là, tranquillement. Continuez à sautiller, je vous explique le prochain. Alors, on va être position de planche. Et là, je vais vous demander un petit talon-fesse. On court. Si c'est trop dur, je lève là sans sautiller. Allez, c'est parti. Allez, à mon top, on fait nos 5 pompes. Au moins, ça peut être 1, 2, 3. C'est à vous de voir en fonction de votre niveau. Et demi-pompe ou pas. Allez, c'est parti pour 5. 1. 2, 3, 4 et 5. Et on reprend dès qu'on a fini sa série. Là, on continue. 3, 2, 1. On relâche. Là, sautiller. On va récupérer un petit peu. Et là, on touche les chevilles. Là. On va attaquer le dernier. Tranquillement. Et le dernier, vous me connaissez, burpees. Donc, je vais vous demander de le faire avec la pompe. Donc là, je descends, là, pompe, je monte, petit saut. Vous pouvez le décomposer. Allez, c'est parti. Même si vous en faites que 3 pendant les 30 secondes, ça me va. L'important, c'est que vous soyez à votre rythme, que ça vous fasse travailler, que vous vous dépassiez, d'accord? Allez, 10 secondes, on y va, on continue. Allez, les derniers, on descend une dernière fois. Allez, ok, on relâche, là, relâchez les bras, les jambes, on relâche ici, les épaules, laissez tomber les bras. Voilà, encore un peu. Inspirez, expirez. Là, on va se déplacer ici, en latéral. Les bras complètement ballants. Ok, on relâche. Là, un bras vers l'arrière. L'autre vers l'avant. Vers l'arrière. Ok, on va tendre les bras et là,
Inspirez, expirez. Ok, on relâche. Ici, là, lâchez bien les bras, les épaules. Et on arrête là. De s'étirer. On va juste basculer là. D'un côté, puis de l'autre. Ok, on pose. Et là, on va fléchir les jambes. Et là, de la même manière, on fait basculer le haut du corps, les épaules notamment, rotation autour du bassin. On laisse les bras ballants, très lourds. Ok, on relâche, on va tendre. Ici, on va écarter les jambes. Les jambes tendues, on relâche les bras, les épaules. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça a été pour vous. Merci d'avoir été présent, d'avoir suivi la séance. Et bah, écoutez, on reprend doucement. J'espère que vous restez motivés, que vous soyez encore en travail ou en vacances. Moi, je continue à faire du sport. En même temps, ça fait partie de ma vie et je suis ravie de le partager avec vous. J'ai organisé cette semaine ce live. Mais à côté, il y a toujours les séances que je poste régulièrement sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à faire un tour quand vous avez besoin d'inspiration ou de motivation. Et puis, il y a le cours du samedi, qui est un cours de boxe sur réservation. Un cours que j'organise sur Zoom. Donc, c'est vraiment une heure de boxe avec beaucoup de techniques, beaucoup d'explications, du cardio, du renfort. C'est un cours qui est sur participation, qui coûte 8 euros et qui... que j'ai organisé pour soutenir des projets éducatifs de mon association Boxer Inside. Donc voilà, si vous avez envie d'y participer, ben je serais ravie de pouvoir partager encore une fois des séances avec vous. Et si vous avez envie de faire un don, vous pouvez le faire directement sur le site de l'association boxerinside.fr. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée pour ceux qui sont en direct, une belle journée pour tous ceux qui vont refaire la séance en replay demain matin, et je vous donne rendez-vous très vite, soit samedi pour le cours de boxe sur Zoom, soit sur mes réseaux, sur des séances en live ou sur des séances que j'aurai postées. Voilà, je regarde rapidement si vous avez des questions. Je crois pas. Voilà, bonne soirée à tous sur YouTube et à très vite.